Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite partie de rétro-découverte sur ma borne d'arcade avec ma Pandora Box DX3000. Donc, on va partir sur un petit jeu dans une sélection au choix, au hasard, j'ai envie de dire. Je vais vous montrer ça, je vais vous faire découvrir un jeu sur ma borne d'arcade. Donc, je vous dis, c'est parti pour le gameplay, et on se voit juste après le générique. Allez, c'est parti, générique. Voilà, on se retrouve sur la borne d'arcade donc pour une petite partie d'Astérix et Obélix. Donc sortie sur arcade. Donc un super jeu beat'em up. Donc avec des animations juste folles. Pour moi le meilleur Astérix sorti jusqu'alors. Donc avec des. Vous voyez, vous pouvez faire tournoyer, vous avez des multitudes de combos dans ce Astérix. Donc vraiment super, super jeu d'arcade. Je vous conseille vivement, si vous avez la chance de posséder une borne d'arcade, d'inclure ce jeu dans votre ludothèque, tout simplement, hein, dans votre bibliothèque. Vraiment génial, on peut jouer. Alors, vous avez possibilité de faire un joueur ou alors deux joueurs, tout simplement, avec en incarnant, bien sûr, au choix Astérix ou Obélix. Voilà, bon après en 1-2 c'est toujours beaucoup 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 plus fun. J'avais vraiment envie de vous faire découvrir ce jeu parce que Astérix revient, va revenir très prochainement sur le devant de la scène avec un tout nouveau jeu sur Nintendo Switch. Il me semble que c'est Astérix. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe. Mission WiiFix, je ne sais plus exactement. Quelque chose de ce genre. Enfin XL3 sûrement, parce que le 2. Sorti le 1 et le 2 à l'époque sur Sony PlayStation et sur PS2 aussi je crois. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe juste en dessous dans l'espace des commentaires. Voilà donc vraiment vraiment très bon jeu avec des animations juste ouf quoi. Regardez-moi le sanglier derrière qui dérate. Vous pouviez l'arrêter et vous pouvez justement le manger pour récupérer de la vie. Là, je l'ai raté. Voilà vous aviez des légionnaires à battre, les Romains qui étaient camouflés. Dans des troncs d'arbres, vraiment des animations. Jeter les ennemis hors de l'écran, les faire tournoyer, les balancer sur eux. Voilà, on va se faire un petit niveau découverte ensemble. Donc c'est vraiment juste histoire de vous faire découvrir ce jeu, de passer un petit moment ensemble. Donc sur ma borne. Voilà, il y a Fabala, vous l'avez vu, apparaissait aussi pour vous redonner de la vie en vous faisant un petit baiser sur la joue. Enfin, c'était surtout Obélix. Hein. Il fallait vraiment avoir Obélix à ce moment-là et du coup... Là on a la potion magique, voilà donc là on vient de venir amassir pendant un petit moment. Comme je disais, si vous aviez Obélix et que Falbala apparaissait, vous redonniez tout simplement de la vie et Obélix se mettait à rougir. Voilà donc là on vient de prendre une potion magique juste avant. Donc ça vous rend invincible comme je vous l'ai dit pour un certain laps de temps. Excusez-moi encore pour le bruit. Mais bon ce genre de jeu il faut vraiment bourriner. Vraiment un très 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 bon jeu. Très bon jeu d'arcade pardon comme je vous l'ai dit pour moi le meilleur Astérix sorti à ce jour. Voilà, vous avez la possibilité de sauter, de donner un coup de pied sauté également, voilà, de balancer les Romains sur les eaux, de les faire sortir hors de l'écran. Voilà, quand vous avez différents une pléthore de Romains pardon à l'écran, possibilité comme dit de le faire tournoyer et de les jeter sur eux-mêmes. Voilà, là je viens de perdre une vie. On va se remettre un petit crédit, j'aurais dû changer pour Obélix pour vous montrer. Prochain crédit que je perds, je vous montrerai Obélix. Si tant est que je perds. Voilà, la difficulté est plutôt correcte, j'ai envie de dire. Mais à deux, c'est quand même beaucoup plus simple. Là, on arrive au premier boss. Alors, juste la barre de vie du premier boss est en bas. Alors, il va falloir éviter, j'ai pas évité du tout. Éviter de lancer de javelot. Voilà, comme ceci. Attention à éviter les javelots qui sortent de la barricade. Voilà, là je me suis fait avoir. Voilà, mais vraiment, vraiment très très bon jeu. Là, je me suis fait aplatir. Vous voyez, les animations sont juste ouf. Voilà, j'ai de nouveau perdu une vie. Et voilà, donc le premier boss terminé, donc vraiment, vraiment un jeu
un jeu super, ce jeu super que j'ai adoré. C'est vraiment une toute petite vidéo pour vraiment vous faire découvrir ce Astérix sur arcade, sorti dans les années 90. Je sais plus l'année exacte, je crois que c'est 92 ou 93. Un petit stage bonus. Donc là, va falloir sauter les obstacles. Je me suis déjà fait avoir. Voilà, bah je l'ai raté parce qu'au début j'ai planté, je me suis planté. En fait, il faut bourriner le bouton d'action et ensuite, bien sûr, surtout sauter. Pensez à sauter au niveau des obstacles. Alors, vous avez le jeu qui était en français, traduit en français et en anglais. C'était plutôt sympathique avec des animations style BD quand vous passiez d'un niveau à l'autre. C'était vraiment un jeu très, très, très sympathique. Là, vous avez le début du niveau 2. Alors, moi, je vais continuer à jouer et puis je vous laisse sur ce avec ces quelques minutes de vidéo et ce visionnage tout simplement. Et je vous dis portez-vous bien les amis, très vite sur ma chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le gros pouce bleu, ça aide à soutenir la chaîne et ça fait toujours plaisir. Donc je compte sur vous sur un max de pouces bleus. Les amis, un max de pouces bleus. Je vous dis à très vite, portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être invité les prochaines vidéos sur ma chaîne. Allez, c'était CNS67, à plus les amis. Ciao, ciao.